Salut tout le monde, c'est Maïtito, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce Wolf Talk. Oh putain, j'ai fait merder le micro, je suis désolé. On se retrouve pour l'avant-dernière mission de Medal of Honor 2010. C'est bon, avec moi. Ok, alors les filets Neptune, c'est l'une des missions les plus difficiles avant l'avant-dernière, bien sûr. Putain, ah là là, les pauvres. Sur ce, j'espère que c'est quand même. Ça vous aura vraiment plu. Bon, je crois que j'y vois mieux en fait sans la vision nocturne. J'espère que ça vous aura vraiment plu parce que moi j'ai pris vraiment du plaisir à jouer au jeu. Mais bon, on n'est pas encore à la deuxième partie, donc ça va. Donc, une petite partie infiltration, hein, bon. Allez, bon là c'est script. Bitches. En tout cas, le paysage enneigé, c'est quand même joli. Voilà, on va quand même garder une arme silencieuse, on sait jamais. L'autre AK 47. Juste question de style. J'aime pas les AK 47 avec des poignées ou une ganache différente de celle de. Oh bah j'ai pris les deux. De l'automate Kalachnikov. Regardez. Elle c'est une contrefaçon et elle c'est la vraie. L'AK 47. Automate Kalachnikov fait en 1947. Donc là je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Attendez. Ah voilà, là j'ai géré. Bon, on fait quand même changer une des AK-47 parce que elle partage le même les mêmes munitions. Bon, faut attendre qu'ils passent là par contre. Bon, je pourrais les affronter, mais bon, ça serait pas marrant la partie infiltration.
tueurs sont là-haut. On y va. C'est bon, il a enlevé la K47 que j'y mets pas. Ok, M4 poignée, silencieux, lunettes à cog. Que demander de plus? Oh putain! Ah ouais, ce passage! Il est hardcore! Alors là, je sais pas du tout comment je dois faire pour la gérer cette mission parce que très très dur. Ouais, je suppose que le but c'est éminer. Ouais, faut tous les éminer. Je crois que c'est la première fois de ma life que je le fais sans me faire repérer. Putain que c'est encore deux. Bon, je vais me cacher deux secondes le temps de récupérer mon souffle. Où est-ce qu'ils sont les deux autres? Si je peux monter en haut de la montagne. Ouais, elle est impossible à faire cette maison d'infiltration. C'est bon, regroupement. Rabbit, tu joues les cowboys, c'est Baudou et Preacher qui vont devoir nous sauver. Non, allez, je vais voir si la KLC c'est la meilleure. Voilà, elle c'est elle. Là bah, y a que des bonnes AK. Ah, l'entraide, y a rien de mieux. Ça servira à rien. Y'a pas de plan plus rapide. Mets-toi. Alors pour savoir, je crois que à cette époque, la Tchétchénie elle a profité des problèmes en Afghanistan avec l'armée américaine pour un peu l'envahir et se l'approprier. Mais le Tchétchène aussi c'était une minorité qui s'est un peu rebellée en Afghanistan à un moment. Mais bon, là on est dans les années 2001 après le 11 septembre. On va tant le buter celui-là. Et Baudou, on va les suivre. Je
droite, prends à gauche, rapide. Putain, mais il est con ce mec. Ah, puisqu'il il avait envie de pisser, ok. J'avais juste envie de recharger mon arme, ça me stresse là. Y'a plus rien. Je m'en vais au bout, mes prêcheurs. Ouais, tu veux qu'il fasse quoi dans la montagne? Bon, bien sûr, je connais la suite, donc je peux pas vraiment vous spoiler. Ok, quel mouvement? Merde. Putain. Ils ne tireront pas dessus. Ils veulent te faire prisonnier. On va pas les laisser faire. Bouge quand je te dis bouge. Ah merde, c'est fait exprès. Ils ont balancé la fumigène pour... Non, la fusée éclairante pour pas que je les vois au début. Bon là j'ai mis un peu partout mais bon, ça sert un peu à rien. Ah c'est chaud. De la chance. Ah, il y en a pas. On peut pas crever ce script.
de balles dans la cas. Plus de balles. Allez go bitchin. T'as pas la même arme que moi, Rabbit. Voilà Prodeur 01. Apparemment ils ont réussi à atteindre la vallée. Bien. Les mêmes sécurités, les hélicos de la 160e sont en route pour la tête d'arrivée. Prodeur 01, Prodeur 01, ici les plus un, vous êtes là? Moi seul, vous êtes vivant. Vous avez vos deux prédicteurs visuels. Où sont-ils? Dans ton cul. La pluie aérienne va faire mal. Il y a un bâtiment. Rabbit, on rentre dedans. Ouvre nos arrières et attention, Vaudou et Trickler sont peut-être là. Putain, mais... Clear. Regarde-moi ça. Ouais, Vaudou. Il n'est pas resté traîné ici. Qu'est-ce qui est arrivé à la radio? Merde. Oh my god, j'y comprends rien ce qui m'arrive. Merde, t'as une idée? On peut pas sortir par là où on est entré. Bobby. Alors là, je suis sonné à mort, hein. Là, je suis mal en point. On saute ou on se prend une balle? Je préfère sauter. On y va! Allez là. Et maintenant, on va commencer.
répond pas. Dusty, vous les avez en visuel? Négatif. Ils ont pris l'appui aérien. Où sont les avions, putain? Ils sont en route. 15 minutes max. Ils sont au contact. On voit rien ici. Pas grave. Colonel, on a perdu leurs signaux infrarouges. Passez en thermique. Putain. Yes, où sont les amis? Colonel, Général Flag en vidéoconférence. Merde. Général, on a un problème sur le Takurgar. Colonel, Cécile devait revenir sur Bagram. Oui, ils sont allés chercher leurs hommes. L'insertion a échoué, mais ils sont descendus de l'hélico sous les tirs. On les suivait par leurs signaux, mais on a perdu leur signature. Où est le soutien aérien? Terre. J'ai Panthère. Il a la cible en visuel. Accordé. Colonel, vous avez l'imagerie de prédateur du sommet? Affirmatif. Vous recommandez quoi? Tirez Reaper 3-1 au canon de 40 près du groupe et voyez si deux hommes se détachent. Si c'est le cas, ce sont nos cibles. Puis dites à Reaper de fumer le plus d'ennemis possible. Reaper 3-1 de Bagram. On a des cibles perdues sans infrarouge. Tirez au canon de 40 près du groupe ennemi. Colonel, vous avez intérêt à savoir ce que vous faites. Bagram confirmé. Tir de sauvation? Reçu. Si deux hommes se détachent du groupe, tuez les poursuivants. Colonel. Vous demandez bien des tirs dangereux. Affirmatif. Colonel, écoutez-moi bien. Roméo Delta demande des tirs de près. Colonel. Mitrailleur, autorisation de tir de sommation à proximité des forces ennemies. Position 201889. Ça va, ça va. Je sais que vous êtes là. Là, c'est nos gars. Ils sont vivants. Reaper 3-1, repérez les deux gars groupés. Ce sont nos cibles. Tirez sur les ennemis qui les poursuivent. Reaper 3-1, doit à tout prix être rendu pour le sommet. Mobilisez la QRF. On va récupérer nos hommes. Pour perdre encore un hélico, négatif. On rappelle le CAS et on réévalue nos options une fois l'ennemi dispersé. Vous les réévaluez? Ils sont au sommet d'une montagne de nuit, avec une puissance de feu limitée. Et Reaper 3-1 a ordre de rentrer avant l'aube. Dans 15 minutes. Le temps que la QRF arrive, il fera plein jour. Général, on perd du temps. Ça suffit, colonel. Vous avez eu la chance de régler ça. On dirait qu'on a perdu la connexion, colonel. Mobilisez la QRF. Oui, colonel. Prenez un 0 point. Avant de continuer ce truc, je voulais vous dire qu'on se retrouvera pour une autre vidéo. Et sur ce, je vous dis bye, peace!